Le ministère de la Vérité pour une liberté réelle, le VLR, organise du 1er au 5 juin 2016 au grand rassemblement de justes. Face à l'incompréhension des politiques, face à la grande inquiétude et à la peur qui touche les familles, l'Église nous parle. Gabon a absolument besoin de Jésus. Au programme, enseignement et édification. Grand concert de prière et de gospel pour la nation. Grande distribution des vêtements et des vivres aux orphelins et aux personnes défavorisées. Venez nombreux. Attends, des repas gratuits offerts sur place. Un seul lieu, le gymnase de Lumi. Tous les jours, 24 heures sur 24, venez nombreux expérimenter la puissance de la parole qui sauve, qui guérit et qui reste. Nous sommes en train de l'appeler les puissants au ciel. La Bible nous dit qu'il y a des vers, des récipients au ciel. Et la Bible dit que les prières des saints doivent remplir. Nous avons commencé à déverser les parfums de prière. C'est la raison pour laquelle nous faisons des prières continues. L'objectif, remplir. Remplir. Sur le plan géographique et politique, le Gabon a été subdivisé en 9 provinces. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le secret. Mais nous savons que la Bible dit que le mal se prépare dans le secret. La Bible dit que le mal, celui qui fait le mal, a besoin d'être dans les ténèbres. C'est pourquoi le mal se prépare dans le secret. Nous allons donc maintenant rentrer spirituellement dans les 9 provinces du Gabon. Et nous allons proclamer la destruction de tous ceux qui s'organisent dans le secret. Tout ce qui est en train de s'organiser, les plans, les stratégies, les méthodes maléfiques, démoniaques, qui sont en train de s'organiser dans le secret. Nous allons, pendant que nous serons en train de prier, penser à toutes les 9 provinces du Gabon. Les forêts. Nous allons penser aux forêts du Gabon. Des choses qui se font dans les forêts. Nous allons penser à ce qui est caché dans les forêts. Des choses, des rencontres, des réunions qui se font la nuit, quelque part, dans les provinces gabonaises. Nous allons prier et créer la confusion. Nous allons prier afin de mettre le désordre dans ce qui se passe dans le secret. Les plans, les projets de destruction qui se passent dans le secret. Les réunions qui se font dans le secret. Nous allons prier afin de créer la cisanie, le désordre, les incompréhensions entre les différents acteurs qui veulent faire le désordre. Nous allons libérer les anges afin que les anges aillent mettre la confusion, afin que tous ceux qui se préparent en mal, tous ceux qui se préparent en mal contre ce pays
commence les stères. Thank you.
C'est nous qui n'allons pas prier. Hein? Qui est d'accord pour faire tout avec mon père? Alléluia. Vous qui avez des téléphones, vous avez le livre d'Esther.
soit aussi la maison où les téléphones sont vibrés. Hein? C'est la ville, la parole de Dieu. Fais attention, hein. On va voir la Bible. Parce que mon papa Karamoui lui dit, téléphone, en même temps que tu lis le verset biblique, en même temps un message apparaît. Et dans les messages là, il y a des femmes nues qu'on envoie. Donc tu es en train de lire la Bible, en même temps un message, une femme nue apparaît dans le même verset que tu lis. Ça, c'est plus la Bible. On va voir la Bible. La Bible. Vous savez, les choses là, c'est comme ça que ça se fait. Vous regardez les gens. Quelqu'un qui a la Bible, vous voyez, il est normal. Quelqu'un qui a plus la Bible, il va se faire bizarre. On va voir la Bible. On a déjà interpellé des pasteurs sur ça. La Bible. Quand quelqu'un s'enfuit de la Bible, il s'enfuit de la Bible, c'est vrai. Quand quelqu'un a honte d'avoir la Bible en main, quand il vit en gymnase, il faut faire avoir le téléphone, c'est grave. C'est grave d'avoir honte d'avoir la Bible en main. Parce que quand tu laisses la Bible à la maison, et tu viens à l'église sans la Bible, c'est que tu as honte que les voisins et les gens ont le merci de voir avec la Bible. C'est la honte. Nous, on n'a pas honte de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre fierté. Et la Bible, ce n'est pas le téléphone. La Bible, ce n'est pas la tablette. Ce n'est pas Samsung. La Bible, ce n'est pas quelle marque. C'est ça, la Bible. Il y a même ceux qui n'ont pas les tablettes, les téléphones, qui ont des gros ordinateurs, dans lequel ils lisent la Bible. Ça, c'est le péché. C'est comme ça que nous avons des problèmes. Allez, on va cacher cette croyance-là. Il parle de la pauvre fille. La pauvre fille, Esther, la pauvre fille qui a jeûné pour une vraie cause. Maintenant, tout le monde fait son jeûne pour d'aspirer son jeûne. Nous, on revient sur le vrai jeûne d'Esther. Lisons, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur a dit, oui. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, oui. Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Oui, comment il l'a, les hommes de la Bible. Qu'est-ce qu'il a appris? Quand tu vas lire toute l'histoire, tu vas découvrir qu'il a appris que tuer tout son peuple. Tout son peuple doit être exterminé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu veux voir? Ça, c'est que je suis en train de prier pour ça, je fais beaucoup de temps. J'ai découvert que je n'aime pas nous d'abord. Vous savez, quand vous n'êtes pas prêt à mourir pour votre pays, ça signifie que vous ne l'aimez pas. Quand vous enlevez le corps dans les champs de votre nation, ça signifie que vous n'aimez pas votre pays. Et j'ai découvert que un des problèmes des Camerounais, du Camerounais que je suis, c'est que nous n'aimons pas la nation. Nous ne sommes pas encore prêts à mourir pour la nation. Nous n'aimons pas le pays. Et vous devez savoir que les détournements, les vols, les crimes, tout ça, ça prouve que le Camerounais n'aime pas son pays. Est-ce que vous me suivez bien? Et je vais vous dire, pendant que vous lisez cette histoire, l'amour de votre pays, l'amour de votre nation, tombe sur vous par la puissance de l'esprit. Amen. Que pendant que l'histoire est en train d'être lue, racontée, que l'Esprit Saint dépose spirituellement dans votre cœur l'amour qui a poussé maintenant le cœur dit à mourir. Pour essayer d'agir. L'amour qui a permis à mon cœur d'être emprisonné pour sa nation, qui a permis à Sankara de ne pas fuir, d'être tué pour le Burkina Faso.
Il faut cet amour dans le cœur des citoyens. Nous n'aimons pas le pays. Nous n'aimons pas le pays. Et je peux vous rassurer que beaucoup de murmures, de critiques, de abonnés n'ont pas le sens. Parce que si j'étais à la place de celui qui dit qu'il faudrait faire le même, nous n'aimons pas le pays. Et nous devons, nous chrétiens, demander à Dieu de déposer dans notre cœur l'amour de la nation. Parce que sans amour, aucun sacrifice ne peut être offert. L'amour est la plus puissante motivation du sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait un amour profond. M'approcher, ayant entendu ce qui se passait pour sa nation, qu'est-ce qu'il a fait? Déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. S'enveloppa d'un sac. Il prit un sac, s'est mis à l'intérieur et se couvrit de sang. Et il a commencé à se rouler au sol. Tu le vois. Marché lui-même n'avait aucun problème. C'est le papa de la reine. Donc il pouvait être épargné. La reine pouvait enlever son père. On pouvait tuer tout le monde sauf Marché. Il devait simplement faire jouer sa relation avec la reine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui-même n'avait pas de problème. Et vous allez lire l'histoire pour sa propre vie. Lui-même n'avait pas de problème. Il a même déjà été remboursé par le roi. Lui-même n'avait pas de problème. Beaucoup d'entre vous, si les problèmes du tableau ne touchent pas, nous sommes encore épargnés. Tant que ça ne touche pas. Et c'est pourquoi nous, l'Église, nous ne trouvons pas notre place dans le pays, nous ne trouvons pas notre raison de nous réunir, de nous unir, d'oublier nos différences, parce qu'en vérité, la chose ne nous touche pas encore. Mais Marché n'avait pas lui-même le problème, il n'a pas attendu que le problème vienne vers lui. Son amour pour le peuple, son amour pour sa nation, les hommes de la Bible aimaient leur nation. Moïse était parti depuis 40 ans. Il est revenu pour sauver son peuple. Néhémie était logé auprès du roi. Néhémie n'était plus à Jérusalem. Il était dans une autre nation. Il n'avait aucun problème. Mais il est revenu construire sa nation. Nous avons un problème avec l'amour de la nation. L'amour de la nation. Et c'est ce qui force la politique de la fille. Ce qui force la politique dans la vie, c'est que la motivation est fausse dès le départ. Il n'y a pas d'amour de la nation. Il y a des intérêts économiques. Il y a de l'amour pour l'argent. C'est la raison pour laquelle la fille ne vend rien. C'est la raison pour laquelle la fille n'a pas le grand budget de recherche. C'est la Et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs.
à la nation juive. Les serviteurs, la reine, vont vers eux. Oui. Et la reine fut très effrayée. Ah. La reine fut très effrayée. Ah, il y a des gens qui ont les saints de rêve. Il y a des gens qui ont les saints de rêve. Ils ont peur parce qu'ils ont les saints de rêve. C'est pourquoi la politique, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts. Elle a peur, là. La fille a peur pour faire ses intérêts. Alors les autres sont en train de brûler pour la nation. Elle a peur de ah, mais si vous faites ça, vous allez me dévoiler, vous allez dire, on va dire que ce sont mes parents qui veulent. Elle a peur. Et c'est. On y va. Elle envoyait les vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sein. Parce que lui, il était déjà dit, le monsieur s'est déjà dit. Il avait son sac à la tête. Il était en train de courir. Il marcha à l'eau. Il marcha à l'eau. Il était en train de prier toute la vie. Il était en train de prier toute la vie. Et il est venu devant le portail, la présidente. Il était en train de prier. Et la femme a dit, oh, mais ça c'est quoi qu'on va faire comme ça? Mais ça c'est quoi qu'on va faire comme ça? Et après, c'est servi de la vie. Donnez des amis là. Mais il ne les accepta pas. Oui, à des situations, c'est un chrétien pour parler d'être raisonnable. Vous voyez, là, il veut dire comme ça. On doit jeûner, prier, on doit se donner, on doit approcher à la terre. Et les gens vous disent, oui, c'est vrai, je suis quand même raisonnable, est-ce qu'on est obligé? Ah, c'est Esther, peur Esther. On y va? Alors, Esther appela Matin, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Oui. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et où cela venait. Oui, il faut demander à Mardoché pourquoi il fait des trucs comme ça. Il faut lui demander pourquoi il est en chemin en prière, en train de crier. Il va demander à papa pourquoi il fait des choses comme ça. Les gens n'ont pas mis le livre là. Ils disent non, je fais un jeune d'Esther. Alléluia.
Et Mardoché, lui, il est formé que Amad. Amad va prier pour Amad. C'est toi, je vais prier. Il va donner à quelqu'un le nom d'Amad. Va donner à quelqu'un le nom d'Amad. Tout ce qui veut faire, va donner le nom. Amad avait des projets cachés. Il voulait massacrer le peuple juif. Il était prêt à payer et à payer une lourde somme pour massacrer le peuple juif. Il y a des gens qui sont prêts à payer. La Bible a été donnée avec la Bible à notre temps. Ce qui signifie qu'il y a un Amad au Gabon qui nous donne une lourde somme et il y a des gens à massacrer. Alléluia. Maintenant, il faut qui les manger. Et il faut qui les espère. Parce que Amad existe déjà au Gabon. Les Amad existent. Les sommes d'argent dépensées pour massacrer les gens existent. Mais il faut lever la rocher et espérer. Allons-y. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Oui. Hathak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Oui. Esther chargea Hathak d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché dit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père, vous périrez. Il avait crié la guerre, il avait cette occasion parce qu'il savait qu'il y avait
Et dit ceci, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci
que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée. Sure.
le jeune qui a obtenu le courage de mourir pour la bonne cause. Amen. 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 Nous réduisons les versets qui disent
le corps, comme Abraham, moi aussi avec. Bien-aimé en Christ, il y a un aucun homme de la Bible qui a marqué les histoires, qui a fait des exploits pour ses intérêts personnels. Ça n'existe pas, il n'y a pas un verset de vie comme ça. Il n'y a pas. Tous les défis, c'est qu'on était prêt à mourir pour les grands défis de Dieu. La vie d'un homme n'est pas comparable à la vie d'un peuple. On peut mourir pour son quartier, pour rendre libre son quartier. On peut mourir pour son entreprise. On peut, mais on ne voit pas ça. Alors je le dis, plus que personne dit la vérité, moi je vais dire la vérité, nous sommes chasse de pour vous rendre libre. Pour apprendre à mourir. Amen. Pour les sortir. C'est ça. Pendant ce temps, je vais réveiller la semence de Jésus. L'esprit de leadership. Dès que tu es chrétien, tu es automatiquement un leader. Parce que la semence qu'il a créée est la semence d'Abraham qui est passée par la semence de Christ. Et ces deux semences sont des semences de leadership. C'est pourquoi les textes disent que nous serons toujours en haut. C'est la semence. Alléluia! Oui, il faut atteindre le stade. Allez, les frères. Et si je dois périr, dites avec moi, et si je dois périr, je périrai. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Et si on doit me tuer, je mourrai. La conjugaison. Est-ce que tu remarques que tu as peur de la mort? Regarde bien au fond de toi, tu as peur de la mort. Ça signifie que ton niveau spirituel est bas. Et moi, j'ai constaté que j'étais comme Esther. Il dit, ah, le Seigneur, si je fais des choses, on va m'échapper. Je peux disparaître comme ça. Ah, Seigneur, on peut me faire des trucs. Et après, je me suis dit, bon, mais je dois mourir un jour. Amen. L'essentiel, c'est de mourir. Il faut mieux mourir pour une bonne. Alors, je me suis mis à jour dans ma chambre. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, je suis un chrétien et je dois proclamer, enseigner et soutenir la vérité. Merci pour mourir. Faire aussi à un pasteur que j'ai vu faire ça, mais lui c'est pas un vrai chrétien. On va faire un grand agapé, une grande rencontre pour tous les corps habillés. On va inviter tous les corps habillés et je vais leur dire que même quand il faut mourir pour la patrie, il faut mourir pour la patrie. On va inviter les militaires, on va inviter les policiers, on va inviter. Grand agapé spécial des militaires, des policiers, tous les morales. Dis aux ces hommes de corps qu'il faut être des patriotes. Amen. Si on te donne l'ordre de faire quelque chose qui ne rentre pas en accord avec ta conscience, même s'il faut mourir, tu meurs. Mais tu n'exécutes pas. Réveillez l'esprit, la semence de Jésus. La semence de Jésus, ce qu'on vous amène devant Pilate, devant Hérode, vous ne changez pas la vie. Hein? Vous ne changez pas la vie. Alléluia! Cette semence est importante pour nous, bien-aimés. La corruption existe partout. L'enfant, la jeune fille s'est réveillée. Et c'est comme ça qu'elle a fini son histoire. Donc ce soir, tout à l'heure, quand tu reprends depuis le chapitre 1,
au chapitre 3, ensuite tu lis encore le chapitre 4, ensuite tu vas au chapitre 5, le chapitre 6, etc. Et tu finis l'histoire d'Esther. Après, tu pries personnellement. Tu pries dans ton cœur pour que Dieu t'utilise. Et que peu importe la situation dans laquelle Dieu va te mettre, que tu sois capable de mourir pour la bonne cause. Papa, il y a des... Dieu va te sortir, il y a des choses. Vous savez, quand Daniel descendait dans la fosse au lion, mais vraiment, c'est sûr qu'il y a des gens qui disaient à Daniel que, mais toi aussi, tu pouvais prier en cachet. Comment tu peux prier? Tu ouvres carrément les fenêtres et tout le monde t'a vu. Bien-aimé, si je dois périr, Si je dois périr, il ne faut pas négocier avec tout. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Madame, il faut faire la prière pour le Gabon et ton mari. Attends, il faut organiser la prière pour le Gabon avec ton mari. Organiser la prière avec les banderoles. C'est quoi ça? Si on doit périr, on périt. Attendez, il ne faut pas trop négocier, hein? C'est quoi là? Faut pas aussi quand même trop aller en bas là. Hein? Mais où est la foi finalement? Hein? Shadrach, Meshach et Abednego. Ça a été écrit donc pourquoi? Hein? Joseph, ça a été écrit donc pourquoi? L'apôtre Paul, qui a été attrapé, emprisonné, ça a été écrit donc pourquoi? Jean et Jacques, qui ont été attrapés, frappés, amenés en prison, libérés le lendemain, et le lendemain, ils sont encore au temple en train d'enseigner. Ça a été donc finalement écrit pourquoi? Au VNE. Yes! Hein? Bien-aimé. Il faut bien qu'on pratique la Bible. Nous ne devons pas être dehors la loi. Mais il ne faut pas inventer la loi. Il n'y a pas une loi qui dit qu'on ne peut pas prier pour le Gabon. Alléluia. Allez, on va aller à la deuxième phase. Levez, on est en train de maintenant. On va réveiller la semence d'Esther. Afin de s'y conscrire, nous allons entourer le Gabon d'une haie de prière. Nous allons commencer à nous étendre, s'y conscrire le Gabon, entourer le Gabon. Maintenant, dans ta pensée, dans ta prière, tu vas proclamer des paroles. Nous commençons à prendre le pays. Nous allons d'abord le s'y conscrire, l'entourer par une haie de prière. Une haie de prière. Allez, élève ta voix. Élève ta voix. Maman,